fonds doctoral en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc sur le plan local, on décompte dans le périmètre de la commune de Lyon environ 5400 doctorants, donc répartis dans plus de 160 laboratoires de recherche et 17 écoles doctorales. Dans un univers de la recherche qui se transforme, on assiste à une volonté de développer des approches de plus en plus partenariales et collaboratives qui posent à nouveau frais les questions d'insertion professionnelle. Donc cette professionnalisation souhaitée s'est accompagnée récemment d'une inscription du doctorat au répertoire national des compétences professionnelles et de la mise en place du portfolio, et ce, dans le but d'aider le doctorant à mettre en avant les compétences transversales acquises pendant sa formation doctorale, mais aussi de permettre aux futurs recruteurs de mieux les identifier. Donc l'enjeu pour ces nouveaux doctorants, vous l'aurez compris, c'est non seulement d'être des spécialistes dans leur champ disciplinaire, mais aussi d'être capables de se décentrer de leur sujet et de mettre à profit leur expertise de chercheur pour des projets pluridisciplinaires et des recherches collaboratives. Donc parmi ces compétences transverses reconnues, on trouve donc la gestion de projet, le management d'équipe, la valorisation de recherche collaborative ou l'insertion dans des réseaux pluridisciplinaires nationaux et internationaux. C'est dans ce contexte, en pleine mutation, que nous avons souhaité créer le laboratoire junior, UCI, littéralement Usage et critique de l'innovation pédagogique, rattaché au laboratoire ECP, Éducation, culture et politique de Lyon 2. Donc nous vous proposons dans un premier temps de faire le point sur les objectifs qui sous-tendent notre projet, sur les façons dont nous comptons les atteindre, puis nous verrons en quoi notre approche est innovante et dans quelle mesure elle est transférable dans d'autres champs disciplinaires. Donc on vous a fait un petit mode d'emploi assez facile. Donc déjà, pourquoi faire un laboratoire junior ? Donc un premier point qui nous semble important, c'est l'idée de formation à la recherche par la recherche. L'idée, c'est ici de se former en collectif sur les modalités pratiques qui sont propres à l'acte de faire de la recherche, donc les méthodes, les cadres théoriques, etc., en les faisant vivre, Donc l'idée, ça suit la célèbre maxime de John Dewey, philosophe pragmatiste américain, « learning by doing », littéralement « apprendre en faisant ». Donc l'idée, c'est également de pouvoir travailler une formation au travail invisible, c'est-à-dire que comme on l'a dit, on l'a répété depuis ce matin, la recherche, c'est pas uniquement faire de la recherche en fait. Donc il y a tout ce travail invisible qui est intéressant et qui, de notre côté, il est nécessaire qu'on se forme à ce travail-là en tant que doctorant. Donc gestion de projet, gestion d'équipe, obtention de financement, négociation avec des partenaires et capacité à pouvoir faire face à l'imprévu, notamment par exemple un invité qui ne vient pas pendant votre premier séminaire et essayer de gérer ces questions-là. Qu'on n'apprend pas forcément dans la formation doctorale. Deuxième point, une formation par les doctorants, pour les doctorants. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de défendre que les laboratoires seraient un frein à l'apprentissage des doctorants, pas du tout, ce n'est pas notre position. On pense que le développement en fait, d'une activité de recherche menée par les doctorants et les doctorantes a le double avantage de se situer dans l'espace d'une réflexion critique sur la recherche, ses enjeux et les mutations qui saisissent actuellement l'espace universitaire. On en parle depuis ce matin. L'idée, c'est pas juste de dire « bon, bah, c'est là, voilà, bras ballants, on va faire comme ça ». C'est aussi intéressant, disons, de se former une réflexion critique sur ces mutations-là, pour les subir un petit peu moins, on va dire. Troisième point qui nous semble important, c'est que le laboratoire junior, c'est un outil de socialisation académique et extra-académique. Parce qu'à côté du rattachement au laboratoire de la direction de thèse, on pense que la participation au laboratoire junior, c'est un moyen efficace de mettre en place une socialisation académique efficace. D'un côté, il y a la sensibilisation aux us et coutumes du monde universitaire, et c'est intéressant de les approprier et aussi de produire un regard critique sur ces us et coutumes. Deuxième point, c'est la mise en contact des doctorants entre eux et avec des chercheurs à travers l'organisation de séminaires, des invitations, des publications croisées avec des enseignants-chercheurs du laboratoire, mais également avec d'autres doctorants. Donc, disons que ce qui est intéressant, c'est de fédérer un groupe de doctorants, si possible tous les doctorants de votre laboratoire, autour d'une thématique transversale. Nous, on est en sciences de l'éducation, sciences humaines, on a choisi le thème de l'innovation pédagogique. Ce qui est intéressant, c'est que le colloque d'aujourd'hui n'est pas organisé par des gens qui sont en sciences humaines. Donc, vous voyez la dimension en fait, transversale d'un tel sujet et l'intérêt que ça peut avoir de fédérer des doctorants dans un laboratoire autour d'une thématique de cette nature-là. L'intérêt, c'est de réfléchir à la fois sur les méthodes, les cadres théoriques, tous ces éléments-là,
Et l'objectif, c'est de pouvoir faire le pont entre des disciplines au sein, par exemple, les sciences de l'éducation, c'est une discipline qui est par nature pluridisciplinaire, mais on peut faire aussi des ponts avec des sciences dures, ce qui est intéressant quand on travaille en sciences humaines et inversement. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est fédérer les doctorants au sein d'un laboratoire. Ça propose aussi, au sein du laboratoire, une réflexion sur l'unité épistémologique qu'on peut avoir dans le laboratoire. Et un troisième point qui peut être intéressant, c'est réfléchir sur l'état actuel de la formation doctorale. Parce que, bien évidemment, les écoles doctorales et les laboratoires, les composantes proposent des formations. Mais voilà, l'intérêt de ce laboratoire, c'est vraiment d'avoir une boîte dans laquelle on peut investir toutes ces formations qu'on grappille à droite à gauche pour les investir dans quelque chose qui fait sens. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce projet? C'est tout d'abord le fait que cette mise en réseau au niveau local, national et international soit le fait de doctorants et non de chercheurs aguerris. Aucun autre laboratoire junior, à notre connaissance, n'a cette ambition. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de remporter l'appel à projet BIDEX de Lyon sur l'innovation pédagogique. Donc la formation à la gestion de projet ou les doctorales sont des formations intéressantes pour développer ces soft skills dont on parlait tout à l'heure. Néanmoins, toutes deux proposent des sujets imposés aux doctorants sous forme d'études de cas fictifs, par exemple pour la gestion de projet, ou d'études de cas réels d'entreprise pour les doctorales, mais sur un temps déterminé et pour un nombre de places limité. Le laboratoire junior, au contraire, s'adresse à tous les doctorants, qu'ils soient issus, donc, comme le disait mon collègue, de sciences dures ou de SHS, et qui souhaitent réfléchir donc, à des problématiques communes, comme l'innovation pédagogique par exemple. Et c'est l'occasion pour eux de produire donc, une activité scientifique collaborative, de la diffuser et de la valoriser via le réseau créé. Par ailleurs, l'autre côté novateur et non des moindres, c'est la dynamique d'essaimage dans laquelle s'inscrit chaque membre du laboratoire junior. En d'autres termes, il s'agit d'encourager les doctorants. On est bientôt fini. Les doctorants à devenir des acteurs actifs entre guillemets au sein des laboratoires juniors existants, et d'autre part d'intégrer dans cette dynamique les laboratoires n'ayant pas encore de laboratoire junior. Donc la constitution d'un réseau d'excellence permettra alors d'offrir une formation doctorale innovante dans sa capacité à s'adapter aux exigences de l'après-thèse. Un dernier point sur la transférabilité du projet, parce que comme vous l'avez compris, on ne vient pas forcément des sciences dures, et on vient plutôt des sciences humaines. Donc ce qui peut vous intéresser, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez mettre en place un laboratoire junior au sein de votre laboratoire. Je pense que là, on vient de montrer en quoi c'était transférable, dans le sens où le thème de l'innovation pédagogique, parmi d'autres, permet par exemple de faire travailler des sociologues, des politistes et pourquoi pas des biologistes dans la manière dont ils vont donner cours. Donc voilà, je pense que c'est suffisant pour vous expliquer la dimension transférable du projet. Et on termine et on vous remercie. Merci.